nouvelle édition du Festival du film de Vendôme, créé en 1981 avec pour vocation de mettre en avant le cinéma des jeunes auteurs de courts-métrages soutenus par les collectivités. 20 ans de sélection et cette année une programmation plutôt éclectique. C'est éclectique aussi parce qu'on va vers d'autres disciplines artistiques. Le théâtre cette année avec le spectacle Instant Critique, mis en scène par François Morel, avec deux comédiens habitués des Deschiens, Olivier Broche et Olivier Saladin. Tu m'entends? Ouais. J'ai envie de me faire mal là, je suis en forme. Des films mais aussi des concerts avec l'association vendômoise Figure Libre. Une programmation vaste qui touchera, comme les éditions précédentes, un large public de la région centre. Jeune public par les séances scolaires qu'on organise, avec notamment l'association Cinécole en Vendômois qui fait venir près de 1000 élèves des écoles primaires de Vendôme et des alentours. Et puis on a aussi des collégiens évidemment qui viennent, des maternelles et des lycéens qui sont présents sur toute la semaine. Alors c'est vrai, le cinéma va fermer? Pas du tout. On m'a dit que le cinéma allait fermer. Vous n'êtes pas le renseigné? Avant-première, fiction de long et court métrage, film d'animation. En 2010, 10 000 spectateurs ont visité les salles sombres du Festival de Vendôme.